Et les gens, qu'est-ce que t'as, comment allez-vous? Qu'est-ce que t'as, Stan? Alors, monsieur lunatique, qui doit être encore une fois monsieur Cédric Borcard, me fait la morale. Mais ce type-là, vous savez quoi? Il est libéral. Dans le sens que, bon, avant qu'il le soit, il y avait une meuf, il la trompait. Pour finir, il a ramené le mec. Il faisait un ménage à trois. Et après, il a viré la meuf qu'il a été avec laquelle il était plusieurs années. Il a fait aller avec l'autre meuf. Avec l'autre mec, pardon. Enfin, c'est hyper compliqué, cette histoire. Et le mec, il fait la morale. Parce que, oulala, j'ai mis les pieds en dehors du plat. Oulala. Et une meuf, quand pendant 5 mois, elle veut même pas se voir 5 minutes. Elle met des prétextes, etc. Elle te pose des lapins à Noël, à ton anniversaire, etc. Je crois qu'au bout d'un moment, tu vois, je veux dire, c'est normal. Elle te pousse à la tromper, c'est normal, quoi. Elle te répond jamais, ou presque jamais. Elle est trop occupée. Voilà, quoi, c'est normal, hein. C'est humain, quoi. Il m'a fait toute une rhétorique rédemptrice, je sais pas quoi. Enfin, voilà, quoi. Ça me paraît un peu gonflé de sa part, quoi. Personnellement, c'est le comble. Hein. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Cédric, arrête tes conneries, quoi. Franchement, là, tu me fais rire, toi. Non, sérieux, quoi. Ah, mais bon, moi, je suis honnête. Bah écoute, oui, mais bon, ce que tu fais, c'est pas. Je veux dire, ce que tu as fait par le passé, c'était pas honnête. Donc après, oui, tu as appris, tu t'es remis en question, tu t'es dit, oui, bon, c'est vrai que c'est mieux d'aller avec des personnes juste pour le cul, puis on sait que c'est juste pour ça. Mais avant ça, mec, t'as pas arrêté de la tromper, ta meuf, là, la Steph. Donc attends, c'est le comble, quoi. Non, sérieux, quoi. Va te cacher, Cédric. T'as pas à me faire la morale, alors franchement, pas du tout. Alors non, sérieux, quoi. Puis un homme, quand ça fait genre 2-3 ans qu'il a pas. Il a pas eu de. Non, de relation, c'est normal qu'au bout d'un moment, on craque. Hein, l'homme a plus de testostérone que les femmes, d'ailleurs. Voilà. C'est humain, hein. On est des animaux. Puis voilà, quoi. C'est comme ça. Mais non, elle sait pas que je l'ai trompé, je l'ai pas fait mal, et puis voilà, c'est ça l'important. Point barre. De toute façon, elle a pas le temps pour moi, elle étudie, elle travaille, et ci et ça. Elle s'occupe d'un bébé, son bébé neveu. Le père est mort, la mère l'a abandonné. C'est fini, quoi. Y a pas moyen. Il n'y a pas moyen d'avoir une relation, c'est pas possible. Avec des parents qui la contrôlent. Et même, quand une meuf, elle t'aime, elle trouve 5-10 minutes pour te voir. Donc, c'est mort. Je l'aime encore, oui, mais je sais que c'est mort. Voilà, quoi. Il faut trouver une autre. Même niveau taf, c'est comme ça. Faut toujours être en train de chercher, quoi. C'est comme ça. La vie est courte. À 40 ans, tout vaut double. Ok? Le temps, il vaut le double, quoi. Le temps, il passe vite. Donc,